Et eh bien salut à tous mes chers amis gamers, ici Mifoman4, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo de découverte, même si je connais un peu le jeu. Le jeu s'appelle Hunt Shutdown. Pour ceux qui ne savent pas, on se met dans la peau d'un chasseur avec une personne, donc un coéquipier. Et ensuite on va devoir chercher des sortes d'indices pour trouver l'endroit exact où tuer la créature dans lequel on a choisi donc un contrat. Donc dans les contrats en fait on choisit quelle créature on doit tuer. Et ensuite on le fait grâce à des preuves. Enfin, à des indices, on va dire ça comme ça. Et du coup, en cherchant des indices, on va trouver le lieu exact où se trouve la créature. Et avec le coéquipier, le but, ça va être de tuer cette créature. Sauf que, on risque de rencontrer une autre équipe. Donc, ça va être des adversaires, donc d'autres joueurs, qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Et du coup, vont nous empêcher de soit de tuer la créature, ou soit de l'extraire, cette créature. Parce que quand on tue la créature, excusez-moi, on doit l'extraire. Et du coup, l'équipe peut intervenir au dernier moment, juste pour nous tuer, et ensuite récupérer la créature et gagner la partie, tout simplement. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc c'est parti, moi personnellement j'ai déjà choisi mon équipement parce que oui on a un système de boutique où on peut choisir nos équipements et du coup le mettre dans notre possession. Moi personnellement j'ai choisi ce fusil là avec ce pistolet là, mais ah, je sais pas. Ah si, on va rester comme ça, donc on va jouer, on va tenter cet équipement. Ah ils disent quand même de recruter, ok, donc on va quand même chercher, enfin recruter une personne. Donc là, le recrutement, en fait, c'est pas la personne avec qui on va jouer, mais c'est notre classe à nous, en fait. Lui, il a pas mal de choses, lui. Donc lui, on va l'engager. Et chose qui est bien, c'est qu'après, on peut changer l'équipement sur lui. Donc là, on a un fusil à répétition qui a l'air plutôt pas mal. Au niveau de la stabilité, elle est plutôt bien. Donc ça, c'est bien. C'est juste ça. Ok. On va ajouter un couteau que j'avais déjà. Donc que j'avais acheté dans la boutique. On va rajouter des soins. On peut en mettre que 3 maximum. Ok. Et du coup... Ah, on peut pas mettre... D'accord, ok. On peut pas mettre autre chose après. C'est pas bien grave, on garder les trucs indenses. Ah, peut-être, attendez, vous savez quoi? On va faire ça. On va mettre quand même une... une petite bombe incendiaire. Donc c'est parti, on va faire jouer. Du coup là comme je vous ai dit, donc là on choisit le, comment dire, le contrat qu'on veut. Donc moi personnellement je vais choisir le contrat 3 qui est donc l'araignée. Donc joueur aléatoire, bah, de toute façon on n'a pas trop le choix. On va accepter car j'ai aucun de mes collègues qui l'ont le jeu. Donc tant pis. On va jouer solo avec une personne qu'on ne connaît pas. Ah Fukide. Ah merde. Ok. J'ai déjà rencontré ce joueur, je crois. Eh bien, re les amis, donc j'ai fait une sorte de micro coupure parce qu'il y a eu en fait un temps d'attente dans le temps de chargement de la partie. Et du coup, j'ai préféré zapper ceci pour pas vous montrer ça, quoi. Bref, je pense que vous m'avez compris. Le temps de chargement, ça fait chier, du coup, j'ai préféré couper. Donc là, on est en attente des autres joueurs. Donc là, on est avec le collègue à côté. Et du coup, donc on va devoir trouver des indices pour ensuite trouver l'endroit où se trouve la créature. Donc je vous rappelle, c'est une araignée. Par contre, je sais pas si j'ai choisi le bon flingue. J'aurais dû prendre un shotgun. Je pense pas qu'il y en avait dans les chasseurs qu'on avait. Enfin, dans la liste des chasseurs qui nous ont proposé. Préparez-vous. Ok. Donc c'est parti. Donc en appuyant sur eux, donc on a une sorte de point de compétence qui nous permet de trouver les indices. Donc là, on a déjà un premier indice juste à gauche, là-bas. Ouais. Donc on va essayer de y aller tranquillement. Ok, c'est juste à côté, hein. Ok, donc c'est ici. Donc en cherchant ces indices qui sont de couleur bleue comme ça quand vous appuyez sur eux, ça va nous donner plus précisément l'endroit où se trouve comment dire, la créature. Ok, c'est juste ici. Et vous voyez, c'est ce sort de truc. Après on appuie sur F. Hop. Et maintenant la carte est complètement modifiée, donc du coup c'est pas dans cette zone là, ça doit être dans cette zone à peu près vers ici. Donc maintenant à nous trouver les prochains indices pour comment dire,
pour trouver la créature. Et je crois qu'il est paumé ce mec en vrai. Qu'il y en a un juste derrière le... Joue la discrétion mon dieu. Putain il me tirait limite sur moi hein, cette espèce de con. Putain qu'il est con lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah c'est moi qui ai touché le... Ok, my bad. Ok donc on a l'endroit où se trouve le... la créature. Ah ma première vue c'est en bas alors. Come on man. Come on, come on. Ok donc la créature se trouve ici. What the fuck man? Ok on est tout seul comme d'hab. Je crois qu'il a un problème. Ah mais il a carrément quitté. Ah. La créature s'approche. Elle est vachement agile. Donc on va devoir faire attention. Le problème là c'est que je suis tout seul maintenant. Exprès pour qu'elle vienne sur moi. On la voit. Une fois. Alors attention, ça c'est son venin ça. Faut pas se mettre dedans, sinon après on est empoisonné. Ok, elle a mis son venin là encore une nouvelle fois. J'espère qu'il y a des mecs qui arrivent derrière mon dos. Touché encore. Touché encore. Attention, elle me jette son venin. On va recharger. Ok, elle revient. Encore touché. Elle m'a eu. Elle est vachement agile hein. Là je l'ai bien touché je peux te dire. Le problème j'ai peur que les autres joueurs arrivent. Parce que là je suis tout seul hein. Ah non. Ah ouais elle me mange.
Bien joué, hein. Elle m'a bien eu. Oh non! Je crois que j'ai entendu des bruits de pas d'adversaire. Je suis pas sûr. Je peux plus passer par là. On va essayer de passer par là du coup. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Oh mais attendez, ça c'est un piège. On va le mettre ici. Deux fois. Je crois qu'elle a pas pressé, hein. What? Elle vient d'où? Merde. Ok, je vais me soigner. Ah, je sais pas d'où elle venait, hein. Ok, ça c'est bon. Là, elle va s'agiter un peu partout, là. Voilà. Là, ensuite, on fait ça. Et là, maintenant, il faut la surveiller. Parce que là, le souci, en fait, c'est que les autres joueurs vont venir. Et ils vont essayer de... de la capturer, en fait. Enfin, de la récupérer, je veux dire. Allez, allez, allez. C'est bon, j'ai récupéré. C'était bien ça en fait. Merde. J'avais complètement oublié. Ok, j'avais complètement oublié que... ouais, fallait prendre comme ça en fait. Ok, my bad. Bah écoutez, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Si ça vous plaît, dites-le moi par commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.